Salut les petits amis, ah, je vois que vous regardez mon t-shirt de l'Intrépide, c'est vrai qu'il est superbe, hein. Ouais, c'est très mal dessiné, je sais, c'est moi qui l'ai dessiné quand j'étais petit, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est mon super-héros à moi, c'était en 77, hein. J'avais 10 ans, et j'ai dessiné un super-héros qui s'appelle l'Intrépide, je l'ai mis sur ma page Facebook, vous avez adoré, vous avez envoyé des centaines d'hommages à l'Intrépide, je vous invite à aller voir ça sur ma page Facebook, ça vaut le détour, tout ça pour vous dire quoi, il est totalement insipide, l'Intrépide, en fait, malgré tout votre talent à vous, à la base il est insipide, pourquoi? Parce que ce n'est qu'un mélange des super-héros de mon enfance, de Spider-Man, de Captain America, de Iron Man, de Wolverine pas trop, parce qu'il est trop gentil, l'Intrépide. Mais en tout cas, voilà, c'est un super-héros qui mélange d'autres super-héros, comme Lego Marvel, auquel on va jouer aujourd'hui, et qui juste est un très grand bonheur pour moi, je trouve ça absolument génial. J'ai toujours bien aimé les jeux Lego, hein, soit Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, DC Comics, etc. Il y en a eu pas mal, à chaque fois c'est très très réussi, mais là c'est encore plus réussi. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on a eu droit à Lego City Undercover, qui permet de se balader dans une ville entière, avec comme si on était dans GTA. Et ben, ils ont refait la même chose avec New York, et avec des super-héros, mais c'est juste génial, et des super-héros, évidemment, ont des bonnes têtes comme ça. Donc allez, tiens, bah, on va se faire plaisir, hein, tout de suite. Je mets ma petite, mon petit masque d'Iron Man pour commencer. Et regardez. Voilà, qui est ce mystérieux jeune homme avec un appareil photo près de la Statue de la Liberté qui déchire, qui a vraiment une super bonne tête, j'adore. Eh ben, c'est forcément, c'est Spider-Man. Regardez, si je laisse appuyer sur le triangle, hop, il se change et le voilà dans une pose à la Spider-Man. C'est juste génial. À côté de lui, on a Monsieur Fantastique. On a carrément, évidemment, toute la troupe. Hein. Ils sont tous là, regardez. Monsieur Fantastique, il est élastique, donc il se transforme. C'est comme un barbe à papa, donc ça lui permet, par exemple, de planer. Voilà, donc il peut aller un petit peu partout dans la ville. Il peut, comme tous les personnages, voler un véhicule. C'est vraiment GTA. Après, on va aller se promener dans toute la ville avec, avec une bagnole. On peut vraiment même péter des trucs. Hein. C'est comme GTA, vraiment. On peut même écraser des piétons, peut-être. Regardez, ces troupes de gens-là, hop, non, ils s'enfuient. Ça n'est pas GTA, on est dans l'univers Lego. Et on peut faire de mal à personne, à part aux super méchants. Je reviens à Spider-Man, il suffit d'appuyer sur triangle, en fait, alors pour sortir du véhicule et pour changer de personnage. Et regardez, me voilà avec Spider-Man. Donc c'est le vieux principe des Lego, qui consiste à passer d'un personnage à l'autre pour avancer dans le jeu, puisqu'ils ont chacun leur spécificité. Regardez devant moi la tour Stark de Tony Stark, Iron Man, qu'on verra tout à l'heure. Et au-dessus, je ne sais pas si vous l'apercevez, qui plane le gros héliporteur des Avengers, qui sert de camp de base, qui permet d'aller voir un petit peu tous les niveaux que vous avez déjà faits, et de les refaire, de décrocher des nouveaux personnages, des nouveaux costumes, etc. Parce qu'ils ont tous plusieurs costumes. Regardez ça quand même, je suis au-dessus de Manhattan, c'est vraiment juste super impressionnant. Regardez, il y a toute l'île qui est là, et je peux vraiment aller partout où je veux, y compris dans les airs. C'est juste dément. Voilà, je vais vous faire voir la carte vite fait, histoire que je vois plus grand-chose. Donc je vais enlever mon petit masque pour le moment. Regardez, il reste suspendu comme un vrai Spider-Man, c'est génial. Donc voilà la carte, regardez, il y a tout Manhattan, c'est vraiment immense. Je vais essayer de dézoomer au maximum. Il y a des tas de trucs à faire, c'est vraiment comme GTA, il y a des missions qui apparaissent un peu au hasard. Vous allez aider des gens, par exemple un ouvrier qui a oublié sa pelle dans le métro, donc il va falloir lui récupérer sa pelle, enfin, des trucs incroyables. C'est complètement basique, mais c'est toujours rigolo. Voilà. Et puis, je peux refaire les événements que j'ai déjà fait, les niveaux que j'ai déjà fait. Et là, pour vous montrer un peu le jeu, j'aimerais retourner à Rikers Island, voilà, qui est la prison, ici. Tac. Et je vais cliquer dessus, et on va refaire le mode histoire. Mais, ce qui est vachement bien, c'est que bah, il faut jouer à deux pour que ce soit le bonheur, ce truc-là. Donc, j'ai un invité surprise qui va me rejoindre. Mesdames, messieurs, l'invité surprise est parmi nous et il s'agit de l'incroyable Hulk. Oh, il est très énervé. Yes. Mais qui cela peut-il être? Regardez, mesdames, messieurs. Elle, c'est She-Hulk. Assieds-toi. Mais oui, je peux le soulever. Oui, révélons-nous. Ouais, c'est Caro. Bonjour, Caro. Ça va? Ah, ça va, je suis super contente de jouer au Lego avec toi. Mais moi aussi, super. Écoute, j'aime bien ces petits jeux de plateforme comme ça, c'est super cool. Ah, moi j'adore aussi. Je trouve ça super bien fait, c'est bien pour jouer avec des enfants. C'est bien pour jouer avec des adultes, donc il y a vraiment de quoi faire. Et avec tout le monde. T'as joué à des Lego précédents, non? Non, mais je me souviendrai étonnamment du Lego Star Wars.
premier film Arthur. Oh là là. On va tout de suite aborder les sujets qui fâchent, évidemment. Hey, d'accord, on n'en parle plus. Ah, il est vachement bien, dis donc, ce Lego. Ah, c'est beau, c'est beau. Et alors, dès qu'on est deux, l'écran est partagé. Ouais. Alors du coup, tu m'as troublé, je ne sais plus où je suis et je ne sais plus comment aller au niveau. Bah, tu peux visiter pendant ce temps-là, pendant que je cherche, je retrouve ma prison. Pourquoi ça m'a pas lancé le niveau? J'ai dû merdouiller à un moment ou à un autre. Alors moi, j'ai suivi un chemin, j'ai suivi mon petit fantôme là, donc qui me dit où est-ce qu'il faut que j'aille. Exactement. Ils ont fait ça quand t'as une mission à faire, t'as le petit fantôme qui apparaît et qui te permet de savoir où aller rapidement. Voilà, je suis dans lui d'ailleurs. Hein, c'est très, voilà, déjà très intime. C'est Monsieur Fantastique. Bah voilà, je vais faire mode histoire. Ouh. Voilà, nous voilà partis. Ah super. Alors les temps de chargement sont un peu longs, donc on peut en profiter pour papoter. C'est carrément, mais là j'ai l'impression que c'est quoi? Il y a un écran noir. Il y a un écran noir parce que ça charge. Voilà, ce n'est pas encore les consoles next-gen où il y a plus de temps de chargement. D'ailleurs, je crois qu'il y a autant de chargement sur PS4. Là aujourd'hui, on joue sur PlayStation 3, mais il existe sur PS4. Il est un peu plus joli sur PS4, pas beaucoup plus. Il faut dire que c'est déjà beau. Non, mais c'est super dès joli. Le début, c'est magnifique. En plus, en grand là, comme ça, c'est la classe. Ah bah oui, oh, merci. Je suis content que ça te plaise, ma petite maison. Ah non, c'est super super. C'est pas très bien rangé, voilà. Mais regarde derrière, j'ai des trucs de l'intrépide. Ah, le je me fameux la pète intrépide. Avec mon fameux intrépide. Et là aussi, j'ai vu. Là, oui, ça c'est un poster avec tout ce que les gens, enfin pas tout, parce que je crois qu'il y a plus de 400 hommages qui ont été réalisés. Il y a même des gars qui viennent en cosplay maintenant à Japan Expo avec la tête de l'intrépide. Donc voilà. Ah regarde, voilà Tony Stark, ça y est, on est parti. Et l'incroyable Hulk. Et en plus Wolverine. Excellent. Alors attends, je crois que j'avais un masque de Wolverine. Moi, je vais mettre Wolverine. Si tu le mets à l'envers, ça fait... Ça fait Rasputin. C'est pas mal comme ça. Ou Robert Rue. C'est un style différent. Voilà, c'est un masque à double utilité. Regarde comme il a la classe. J'adore comment ils les ont dessinés. On les reconnaît vraiment. Ouais. Mais ils ont cette petite bouille ronde typique des Lego. Ils font des petites vannes. Là, on parlait, on n'a pas entendu, mais il dit oui, ils sont un peu le fauve, le Wolverine. Donc voilà, on va commencer avec ces trois personnages-là. Il y en a d'autres qui peuvent venir en cours de route. Mais là, c'est surtout des super vilains qu'on va Mon voir. Mon Dieu, mais que se passe? Oh, voilà, Dent de Sabre. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais en fait, c'est Mystique. Elle est déguisée, puisque c'est une mutante qui peut changer d'apparence comme elle veut. Un peu Terminator. Waouh. Mon Dieu, non. Les pauvres gardiens de prison. Mais oui, il faut intervenir, Caro. On va pas il faut faire quelque chose, Marcus. On ne peut pas laisser ces pauvres gardiens de prison comme ça. J'enlève les masques parce qu'on voit pas grand-chose. Avec... C'est pour ça que c'est vrai si je me le garde dessus, comme ça, c'est très bien. Je vais le mettre là. On l'utilisera tout à l'heure. Bon, trêve de plaisanterie. Allons friter. Parce que là, pour le moment, on n'a pas encore commencé à jouer. Alors, qui est qui, déjà? On va voir ça tout de suite. C'est ça que j'aime dans le jeu, on peut vraiment rentrer dans une partie en cours de route et il y en a un qui peut arriver, des amis qui viennent ou un petit jeu qui arrive, paf, il prend la manette. On joue avec lui. On peut jouer jusqu'à combien? Jusqu'à deux, je crois. Je pense pas qu'on puisse jouer à plus de deux. Enfin, c'est même sûr puisqu'il partage l'écran en deux. Donc je suis Iron Man et tu es, je pense, Wolverine. Ah, je suis question. Enfin, si tu veux changer, t'appuies sur triangle et tu vas devenir Hulk. Tu veux que je devienne Hulk ou je peux rester Ouais, deviens Hulk. Alors, regarde, j'ai vu qu'il y avait un pont, mais oh mon Dieu, on nous casse le pont. Donc il faut que... Moi je suis le seul qui peut voler, donc je vais aller de l'autre côté du pont. J'ai voulu changer pour Wolverine, mais... pour Hulk, mais je crois qu'il... Ah oui, alors tu t'as appuyé trop longtemps sur triangle, ce qui fait que Hulk s'est transformé en Bruce Banner, il est redevenu normal. Il y a des moments où on aura besoin qu'il soit Ah non, c'est bon, regarde, c'est moi là, je suis gros là. Alors tu peux frapper des gens, voilà. Pendant ce temps-là, moi, Iron Man, je reconstruis le pont. Comment éviter le gore? Bien sûr, on devient des Legos. Bah oui, il peut rien arriver. C'est trop mignon, c'est trop Pikachu. Je vais pousser ce truc pour remettre le pont. Voilà. Cette fois, le pont est revenu. Tu peux venir en bas à droite, là. Pendant ce temps-là, moi... En bas à droite, mais c'est... À droite. L'autre droite. Faut toujours se mettre d'accord quand on joue au Lego. Je vais venir te chercher. Voilà, bah regarde. Dès qu'on est tous les deux, ça, je trouve ça bien fait. Ouais, on se retrouve sur le même écran. Et dès qu'on est séparés, tous, voilà, ils split en deux. Ah, il y a une petite distance. Oh, mais c'est, je trouve c'est super bien fait en plus la façon dont on se met ensemble. Alors regarde, j'ai pris Wolverine et je vais renifler. Enfin, je vais creuser parce qu'il a des petits pouvoirs, il peut renifler et creuser. Et j'ai découvert un espèce de machin vert qui va te servir à toi, Hulk. Donc je construis ces deux poignées vertes et il faudrait que tu viennes dessus, toi. Et tu vas tapoter sur rond pour arracher le mur, en fait.
tapote, tac 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 tac. Allez, plus fort, tire, tire, tire. Et voilà le travail. Donc là, du coup, tu peux aller là-dedans. Tu peux rentrer là, tu verras qu'il y a un ascenseur. Alors j'ai déjà joué moi, donc je connais les trucs. Je vais plus vite, mais tout ça c'est de la recherche normalement. Voilà, la Wolverine a repéré un passage pour lui avec son petit flair, son fameux flair. Faudrait que tu te mettes sur l'ascenseur là en bas. Il y a un ascenseur. Ah, à l'intérieur, faut que tu rentres à l'intérieur. Et moi, je vais aller. D'accord. Je vais récupérer Iron Man pendant ce temps-là. Quand je me disais, je suis arrivé dedans, mais je suis bloqué. Ça, c'est un ascenseur là. Ouais. Alors Iron Man vole, t'as vu, c'est quand même la classe internationale. Donc faut que tu te mettes sur le truc rouge. Ouais, voilà. Je suis dessus, a priori. Et moi, je vais prendre. À griffe ? Ah oui, un interrupteur à griffe. C'est une spécialité des Lego. Voilà, il n'y a que Wolverine qui peut ouvrir. Et toi, comme tu es en dessous, normalement, tu es sur le truc. Tu es assez lourd. Parce que si tu étais en Bruce Banner, tu serais pas assez lourd pour appuyer sur le truc. Et ça ne monterait pas. Alors, mets-toi bien au milieu, peut-être. Parce qu'on a besoin de toi, là. Ah. Voilà. C'est quand même. Pas tout à fait au millimètre près, mais quand même. Oui, c'est vrai. Alors, des fois, on tourne en rond. Et ça m'est arrivé de tourner en rond pendant 20 minutes sans savoir ce qu'il fallait faire. Et on finit toujours par trouver. Sinon, il y a Internet. Hein. Il y a des solutions sur Internet. Merci, Internet. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a un petit côté réflexion, pas que de la bagarre. Et du coup, pour arriver à. Alors là, on a déclenché une alarme, par exemple. Bon, bah. Je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a scanné et puis il a fait non. Pas toi. Pas toi. J'ai eu trop mille. Voilà, bah, c'est ça. Le vert, on n'aime pas trop. Donc là, il y a des canons qui sortent de partout, c'est pas très très bon. Mais heureusement. Il y a même des hélicos. Sortez les hélicos. Bon, les super-héros, Caro, on s'en fout. On s'en fout des hélicos. Les hélicos, c'est rien. Tous les matins au petit déjeuner. Donc regarde, avec mon Iron Man, je peux voler. Et tuer l'hélico. Et tuer peut-être pas l'hélico, mais en tout cas, je vais m'occuper de ces espèces de saletés de trucs qui nous tirent dessus, là. Les espèces de canons volants. Voilà, j'en ai deux. On a encore un là sur le côté. Est-ce que je peux tuer mes comparses aussi par erreur? Ça peut arriver. C'est assez rigolo parce que Wolverine, quand il est blessé, il se retrouve en forme de squelette. Mais comme il se régénère, il récupère sa vie. Ouais. C'est assez rigolo. Voilà, je crois que j'ai pété. Oh non, je suis redevenu petit. Ah mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu appuies sur triangle assez longtemps pour qu'il s'énerve. Ah bah non, je suis devenue Wolverine, ça n'a aucun sens. Alors, faut que tu le laisses. Ah, ça y est. Alors, c'est là où il y a des petites erreurs, c'est que des fois, le triangle, il sert à beaucoup de choses, et c'est pas forcément évident. Alors, ce truc-là, me tire dessus, je ne vais pas le laisser faire. Ah, je suis mort. Alors, donc je vais aller. Alors, normalement, j'ai enlevé l'alarme, donc t'as plus qu'à arracher le avec tes gros bras. Non, c'est bon, ça. Il faut que je tapote. On remarquera, les animations, elles sont géniales. Tu peux jeter le truc maintenant. Voilà. Je suis vénère. Alors là, je vais prendre Wolverine. Mince, pardon. Ah, il est très énervé. Et Wolverine, avec son flair, tu vois, détecte les passages qui sont faits pour lui. Voilà, c'est quand même un animal. Puis il rampe, hein, d'ailleurs, on l'aura tous constaté. Il rampe, oui, c'est assez drôle. Là, les animations sont très très réussies. Ils ont vraiment. Alors pourquoi la porte s'est refermée? Parce qu'il va falloir que je te l'ouvre, je pense. Alors avec mes griffes, voilà, je suis capable de déchirer les murs. Voilà. Et là, par contre, je ne suis pas assez intelligent pour décoder un truc. Donc je suis obligé d'appeler Iron Man. Qui lui, c'est le cerveau de la bande. Alors par exemple, Hulk peut rien construire. Parce qu'il est trop con. C'est assez marrant comme principe. Je sais pas, il aurait pu juste avoir des trop gros bras. Hein. Voilà. Il a des trop gros doigts, comme moi en fait. Donc regarde, petite séquence, alors il y a des petites séquences de réflexion, donc là faut déverrouiller les trucs, faut juste viser les verrous et les déverrouiller, mais bon, en quelques secondes pour comprendre ce qu'il faut faire. Ok, allons à l'intérieur. Mm-hmm. Ah, ils ont des belles voix, je trouve. Parce qu'avant, les Lego, il n'y avait pas de voix. Ils faisaient juste des petits bruits. Ouais, et maintenant ils ont des voix qui correspondent plutôt bien. Ah voilà, dents de sabre, un peu énervé. Alors là, je vais laisser Hulk faire, parce qu'il va falloir se battre. Donc je peux filer un coup de main, mais... Alors essaye un truc qui est génial, c'est le double saut, suivi de carré, je crois. Ou double saut, ou rond, je ne sais plus. Et là il s'énerve vraiment. Voilà, et tu vois, il pète tout autour de lui. Ah ouais, je retourne violemment. C'est génial. Je crois que j'ai tué tout le monde, là, il reste plus personne. Je pense que t'as eu tout. Tu peux te calmer. Ah, tu m'as donné le cheat code, alors. On abuse un peu. Alors,
Et voilà. Ah bah voilà. C'est toi qui as tout démoli. Très bien. Oh non, il est pas content. On t'arrête plus. Super énervé. Alors il y a White Splash. Donc c'est marrant parce qu'il mélange les méchants. Ça c'est dans Iron Man. Ouais, ouais. On verra tout à l'heure, il y a le Rhino qui vient de Spider-Man. Enfin voilà, il mélange tout, les X-Men, tout. Et le mélange se fait plutôt bien en fait. Pour les gens qui aiment bien cet univers et qui connaissent bien, c'est super cool. Ah bah moi, c'est toute mon enfance Marvel. Donc ça marche encore mieux que DC Comics, qui était très bien déjà. Mais là, il y a cette idée de ville ouverte qui est vraiment très très réussie. Ah, je connais pas, je crois que c'est dans les... C'est le leader, voyons. Ouais, excuse-moi. c'est Green Lantern, je crois, non? C'est pas Green Lantern, un truc comme ça, ça me fait penser à ça. Bah moi non plus, j'ai pas vu le film, je lisais pas les BD, du coup... pas trop à quoi ça correspond. Donc lui, je vais me le faire. Alors tu peux essayer, mais il a un champ de force. Ah oui, effectivement, donc, je suis rejeté. Je vais essayer avec Iron Man, qui lui peut bloquer des cibles et balancer des petits missiles. Bah je te laisse faire. Bah voilà le travail. Hey, ah mince, il faut que je tue maintenant. Ouais, fini le... Finish him. Voilà, bah tu l'as bien calmé. Impeccable. Il reste... non, ça c'est nous, mince. Alors, je vais prendre Wolverine, je pense que c'est pour lui. Regarde, il y a ses petits sens qui sont en alerte, il a des petits trucs autour de lui. Ah oui. Je peux péter ce truc-là. Oh bah tu peux le péter aussi. Ah, bah, merci, c'est gentil. Allez, venez. T'as fait mes devoirs, c'est impeccable. Ah mais je peux pas rentrer en fait, je suis trop grand. Tu peux pas, t'es trop grand. Alors attends, il faut... Voilà, moi je peux grimper, regarde, ouais, mon flair me montre que je peux grimper. Donc je vais aller à l'étage. Et là j'ai un interrupteur à griffes. On se demande à quoi ça sert et qui a bien eu l'idée de faire des interrupteurs à griffes. Mais bon, voilà. Et hop. Des gens qui voulaient faire un jeu vidéo, je pense. Ouais, je pense aussi. Est-ce que t'avais essayé des autres Lego? T'avais joué un peu à d'autres? Moi, je me nourris de jeux vidéo avec les critiques de No Life, en fait. Critiques que tout le monde peut regarder sur No Life Online et qui sont toutes faites. Et du coup, c'est vrai que quand je les regarde, je me dis, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le jeu. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment, j'ai vu ton chez Marcus sur Beyond Two Souls. Ouais. Et alors... j'ai surkiffé, en fait. Et j'ai vraiment eu la sensation de vivre le truc. Et en fait, il était genre 2h du mat. Et je me disais, de toute façon, il faut que j'aille me coucher. Mais j'ai pas réussi à aller me coucher avant d'avoir vu la fin du chez Marcus. Oh, ça fait plaisir. Et ça m'a donné envie de l'acheter. Mais je me suis dit, est-ce que j'aurais le temps d'y jouer avec tout ce que j'ai déjà en main? Genre, je suis sur Pokémon X en ce moment. Ah oui, ils sont très bien. Le X et le Y sont fabuleux. Tout le monde m'a dit ça. Moi, j'ai trouvé ça vachement addictif. Ce n'est pas le cas de mon mari, qui a acheté la version Y et qui l'a revendue. Ah oui? Ouais. Puis j'ai dit, de toute façon, on m'en fout. Maintenant, il y a Zelda. Avec Cyril, on avait joué à Kirby ici. C'était oui, génial. On a passé un super moment. Adoré. Avec sa petite casquette là. Bah oui, on était mignons. Là, on n'assume pas, on ne met pas nos masques, mais on devrait quoi. On devrait. C'est alors, là, faut que je trouve quelque chose à faire. Je vais prendre Iron Man. Et je vais décoller parce que là, visiblement, il y a de l'électricité un peu partout. Voilà, et là, il y a du travail pour moi, puisqu'avec mes missiles, il faut que je pète cette porte. Oh, mais c'est génial ma transformation. Oui. Tu t'es transformée pendant ce temps-là? Ouais, parce que j'étais redevenue humaine en fait. Un gars normal. She-Hulk. Ça existe vraiment She-Hulk. J'aime la femelle de Hulk. Je ne connais pas les circonstances, je n'avais pas tout Marvel, mais... On veut pas savoir d'ailleurs, on veut même pas savoir. Déjà, chi, c'est un peu dégueulasse comme... C'est déjà, Shia LeBeouf comme nom, c'est dégueulasse, mais Chi-Hulk, c'est juste horrible, c'est pas possible. Alors, faut que je fasse péter ces trucs en métal avec mes petits rayons laser. Voilà, ça y est. Donc en fait, on t'attend pour avancer là. Ouais, en fait, je suis désolé, hein, depuis tout à l'heure... Alors, faudrait que tu prennes Wolverine, ce serait peut-être pas mal. Alors, il suffit que je fasse ça, c'est ça. Ah oui, j'ai besoin de toi là-haut. Et en fait. Du coup, alors attends. Alors, mets-toi, viens vers la gauche. Je sais pas où t'es. C'est à la gauche, ok, donc de l'autre côté. Voilà. Et là, il faudrait que tu renifles un petit peu avec ton truc renifleur. Ah, mais il me dit d'aller là-bas. Non, faudrait que tu renifles un truc, en fait. Attends, je vais retourner sur la gauche. Oh, ouais, j'aimerais que tu parles. J'ai explosé. T'as explosé en vol. Attends, il y a un truc à construire là déjà. Je vais le faire. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai que comme Hulk, il ne faut pas construire, j'ai pas du tout tenté de construire. Oui, c'est vrai. T'as bien fait, ça a mal tourné. Alors regarde, avec le petit carré, moi, je vais amener une espèce de boule lumineuse. On la voit pas, c'est marrant que la caméra la suit pas. Quand je joue tout seul, la caméra suivait. Voilà, une boule lumineuse qui arrive chez Whiplash et qui va donc, paf, libérer cette bestiole. Des problèmes de caméra quand on joue à deux, je m'en aperçois. Moi j'avais joué que tout seul. Mais alors du coup, alors attends, je te suis. Donc là, viens renifler ça. Ah attends, oui, mais ça, ce sont ton alerte. Oui, vas-y, renifle avec le rond. C'est rond. Et regarde, tu renifles, il y a un truc pour Hulk. Donc là, j'ai pris Hulk, j'en profite.
je tire ce truc là. C'est vraiment génial que chacun puisse faire un perso à tout bout de champ comme ça. Bah c'est super, ouais. Et puis c'est bien de changer aussi. C'est-à-dire t'es pas obligé d'avoir Hulk toute la partie. Du coup, je peux. Et là, tu peux grimper, toi, tu peux grimper maintenant. Saute sur ce truc là. Saute sur la plateforme que l'on vient de repousser. Ah, sur la plateforme. À gauche. Et regarde, il y a un câble. Donc toi, tu vas pouvoir monter grâce au câble. Je vais te suivre avec Iron Man. Voilà. Oula, tu grimpes. Toujours plus vite. Ça y est, non, t'es bien là. Et là, il faut que tu grimpes le long du mur. On descend, voilà, mais tu grimpes le long du mur. Grimpe le long du mur. Et t'accompagner. Voilà. Et viens, on va rentrer dans ce petit bureau. Vas-y, grimpe. Donc avec ses griffes, lui peut grimper alors que Iron Man peut voler et Hulk, avec son gros poids, sauter et encore pas beaucoup. Alors, faut que tu ailles avec tes griffes, activer l'interrupteur à griffes. Le merveilleux interrupteur à griffes qui est là. Voilà, et bon. Tu te mets bien sur le rond jaune. Voilà, et là tu appuies sur rond. Sur le rond jaune. Sur le cercle jaune et tu appuies sur le rond rouge. Mais oui, pourtant, mais c'est mal fait. J'avais compris ce que tu m'avais dit pourtant, tu vois, pour te dire. Mais il y a des moments où, par exemple, changer de personnage, c'est triangle, mais c'est aussi, pour Hulk, c'est se changer en personnage plus faible. Donc, c'est un peu troublant. Parfois, c'est pas toujours très réussi. Alors, je vais cramer tout le monde, si tu peux me rejoindre. Je vais passer en mode Hulk. Ah oui, c'est pas mal. S'il faut tuer des gens, j'arrive en Hulk. C'est où ? Encore plus loin. Alors non, j'ai pris Hulk. Ah mais c'est toi qui as pris Hulk. Ah mais c'est-à-dire que je suis Iron Man. Oui, c'est possible. Je voulais Iron Man parce que je voulais. Ah, je crois que je suis Iron Man. Alors du coup, il y a des moments où on s'y perd. Alors, on s'y perd un peu. Alors ça y est, je suis Iron Man. Ah, je suis Hulk. Et tu es Hulk. Enchanté. C'est bon. Alors hop, un petit coup d'ordinateur. Si tu peux me débarrasser de ces deux clampins pendant ce temps-là, ça m'arrange. Et voilà. Bravo, du beau boulot. Ouais, ça, je vais le faire. Là, je vais le faire. C'est marrant de voir Hulk essayer de tripoter un ordinateur. Donc regarde, là j'ai accès aux caméras dans chaque cellule. Donc là on voit qu'ils ont mis un garde en prison qui flippe un peu. Ouais, protège-moi pendant que je regarde l'ordinateur. Là il y a Deadpool, donc il y a plein de personnages surprises. Ah, le fameux Deadpool. Je sais pas combien il y en a, comme d'habitude, il y en a plus d'une centaine. Ça, c'est Stan Lee qui fait sa petite apparition, parce que dans tous les films Marvel, il y a une apparition de Stan Lee. Donc, je trouve ça très drôle. Ils ont vraiment respecté l'univers jusque dans le moindre détail. Et voilà, Dent de Sabre se jette sur la caméra comme un mal. Non, mais oh, ça va pas, vous allez pas me regarder. Alors là, Iron Man est en train d'appeler l'arbitre. Tu noteras, regarde les petits mouvements quand ils volent. Je trouve ça génial. C'est vraiment joli. Comme dans le film, c'est quoi. Ouais, mais c'est vraiment très joli, très fluide. Quand il se pose vraiment comme dans le film. Mais j'aime beaucoup comment saute Hulk aussi, par exemple. Ah bah surtout comment il attrape les mecs. Je sais pas si depuis tout à l'heure t'as réussi à choper un mec et à en faire un paillasson. Je l'ai fait une fois mais j'ai même pas compris. C'est des grands moments quoi. Arrivé pile poil pour la grande évasion. Pile poil. Ah Carnage. Crâne rouge, le méchant de Captain America, le Rhino de Spider-Man. Et Stan Lee qui ne peut pas s'empêcher de faire sa petite apparition. Et qui est là genre. Genre je me la fête. Hein. Mais il peut, mais c'est normal. Et Magneto. Donc il y a vraiment tout le monde. Hein. Attends, c'est pas toi qui faisais Magneto en hein, Flanders Company ou... Non, moi je faisais le gars avec la main en fer là. Ah oui. Qui caressait mon chat. Ah oui. Bah oui, je faisais le grand grand méchant. Forcément. Alors, regarde, on a Iron Man qui se retrouve en slip. Ah. Carrément. Oh, je te fais des caresses. C'est moi ou il fait un peu frais ici. Ouais, ils ont mis un petit caleçon à cœur. Voilà. Le genre de blague. J'adore le fauve qui se balade à quatre pattes comme mais un oui, clébard. Il court comme un chien. Alors, regarde, le dérapage de Hulk. Voilà, comme dans le film. Enfin, vraiment. Ouais. Ils ont assuré. Oula. Oh, yes. Alors là, va falloir coopérer. Donc, est-ce que tu as Hulk? Normalement, je vais te construire des trucs que tu vas pouvoir jeter. D'accord? Donc, déjà, première étape, friter un peu des gars. Ça, on peut le faire tous les deux. Moi, j'ai un truc qui me permet de sauter d'un gars à l'autre. Il faut que je lock mes cibles et hop, je passe d'une cible. Oh, regarde, je suis en train de le faire là. Ah, bien, hop, la carpette, le coup de la carpette. Donc en plus, ça fait de la belle bagarre de super-héros. Je trouve qu'ils ont bien respecté le truc. Ah, voilà, comment tuer plusieurs personnes d'un coup? Mais je trouve vraiment ça fabuleux parce que, tombant en enfance, on peut jouer avec des enfants vraiment sans problème. Les petits neveux, tout ça, ça marche. Et puis en tant qu'adulte, on se marre bien aussi quoi. Ouais, non, c'est vraiment cool. Hein. Je crois que j'aurai une bonne petite soirée entre amis, c'est vraiment bien. Ah, je crois qu'il y a plus qu'une soirée parce que c'est quand même assez long, hein, mine de rien. Il y a bien 6 ou 7 heures de jeu, je dirais. Il y a beaucoup de niveaux, il y a des tas de trucs à trouver. Alors regarde, je te construis ça, tu
tu peux l'attraper avec rond, je pense, et le jeter avec carré en te tournant vers lui. Voilà, carré, carré, carré. Bim ! Ha ha ! Fais-moi le malin ! Ta face ! Faut rester poli, aussi. Ça me rappelle l'ascenseur, le final de Moonwalker avec Michael Jackson, où tu te retapes tous les adversaires que t'as fait pendant le jeu dans un ascenseur, étage par étage. C'est un peu le même truc. C'est ça dans un retour vers chez Marcus que je vous recommande d'ailleurs. Parce que j'en fais pas souvent, il y a tellement de bons jeux nouveaux que j'ai du mal à. Je me sens très énervé. C'est cool de pouvoir s'énerver dans le jeu vidéo. Ah, c'est pas méchant quoi, c'est vraiment à la négo toujours. C'est mignon quand même. Je sais pas si tu connais au Japon dans les salles d'arcade. Tu sais, t'as bon, les fameux Taikon Tatsujin, mais en fait, pas loin aussi, t'as les espèces de tables. C'est un jeu de table, je sais pas si tu. C'est avec en des fait. Cartes non, c'est une table. Et en fait, le jeu, c'est. Ah oui, faut retourner, faut s'énerver, retourner la table. C'est le jeu de l'énervement. Alors, énerve-toi et retourne le canapé déjà en attendant une table. Voilà, et tu le vises. Ah, il est trop. Le panneau, tu fais bon, c'est bon, carré, carré. Tac. Yes. Encore une dernière fois, et on l'a. Oui, c'est un jeu, j'ai jamais compris, mais il y a une vraie table, effectivement. C'est un pote qui vit là-bas qui m'a dit, ouais, c'est trop le truc des salarymen qui sont trop relous, enfin trop relous, trop énervés, pardon, contre leur boss ou des collègues, et pour faire partir toute la tension à la fin de la journée, un bon petit coup de table. C'est vrai. Alors à l'écran, on voit une petite famille qui est attablée avec évidemment plein de choses sur la table, et toi, je crois que tu fais le père de famille, et de temps en temps, faut s'énerver et retourner la table de colère. Voilà. C'est un jeu vidéo, voilà, je pense qu'il n'y a que les Japonais pour inventer des trucs pareils. Et il n'y a qu'en salle d'arcade. Il y a peu de chances qu'on le trouve chez nous un jour. Pas une version de salon, je pense. Donc tu m'as construit des trucs là ? Ouais, j'y travaille, j'y travaille. Là, pour lancer la cinématique, mais je te. Tu veux que je te construise le canapé ou je vais commencer par ça ? Là, je vois que tu. Comment ça nous interrompre ? Ne m'interrompez pas. Il dit on doit partir, mais attends. Attends. Alors, vas-y, balance plus ça dans la tronche déjà. Oh, t'as passé à côté, c'est pas grave, prends le canapé. Je pense qu'il va réapparaître. Oh, t'as les deux. Ah non, j'ai cru que t'avais les deux. Yeah. Allez, un petit coup de carré. Et le dernier truc là que je te l'ai reconstruit. Oh, génial. Attends, mets-toi bien en face. Ouais, carré. Boum. Et voilà le travail. Bravo, Caro. Oh, ce travail de professionnel. Regarde, comme il est énervé. On est trop bons des héros, t'es là. Ah, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? La bonne pose. Ah oh non, bah non, il s'enfuit. Il s'enfuit. Bah écoute, je crois qu'on va laisser s'enfuir parce qu'on arrive à la fin du. S'il aime pas être tenu par les pieds. Comme un et chat. T'as vu, t'es pas comme ton chat, hein, il donne pas des coups de griffe. Non, c'est vrai. Lord Wellington a griffé Alex Pilote. Je vous mettrai ça sur YouTube. Tiens. Un grand moment de mousse. La vidéo exclusive. Donc voilà, là, il va falloir se battre avec le boss de fin de niveau. C'est un peu long parce qu'il faut l'éblouir avec les trucs. Donc on va vous laisser là, les petits amis. Mais en tout cas, voilà. Sympa, Lego ouais, Marvel. Vraiment hein cool, moi j'aime bien. C'est vraiment bien. Je suis content que ça t'ait plu. Bon bah voilà, bah les petits amis, merci de nous avoir suivis. On remet nos masques pour finir. Alors attends, toujours tout. Ah, je sais pas où tu l'as mis. Oh, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres si tu. Ah, regarde ça, comment on est beau. Ha ha. Très bien. Et ben merci Caro d'avoir été avec moi. Mais c'était merci, super Marcus. Classe d'être tous les deux. On a bien rigolé. Et voilà, on a vous a fait découvrir un bon jeu. J'espère que ça vous aura donné envie. En tout cas, c'est sympa à deux, avec des grands, avec des petits, avec tout le monde. À bientôt, les petits amis. Soyez sages. Hulk.